non capire, attends, non, mais... Ah, non, 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 là, non, là, tu as compris, non? Méfie-toi! Enlève ça devant moi! Mon gros front, ça ne te regarde pas! Salut à toi et bienvenue en Japanais. Alors déjà, je voulais prendre quelques secondes pour vous remercier d'avoir été nombreux à regarder la dernière vidéo et surtout à la commenter, à mettre des pouces, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, je vous annonce, il y aura bel et bien un deuxième épisode de Questions pour un champion, donc on se retrouve le mois prochain pour ça. Maintenant, pour ce qui est de la vidéo du jour, alors si vous venez au Japon, vous n'allez pas forcément parler le japonais ou maîtriser la langue. Donc c'est pour ça que tout ce qui est le non-verbal et tout ce qui est la gestuelle, eh bien ça va jouer un rôle prépondérant dans la communication avec les Japonais. C'est pour ça que dans cette petite vidéo, eh bien, nous allons parler de tous ces petits gestes. Ah, et bien entendu, comme d'habitude, nous serons avec le grand Pierre, le grand perdant de Questions pour un champion édition 1. J'ai rien à dire sur la défaite, c'est plutôt là. Vous auriez pu sans doute faire mieux, donc voilà, je... C'est le visage de la honte. L'exceptionnel et ben, le comme grand hacker de l'édition 2. Futur hacker. Attention là, tu lâches des grosses mails par contre, faut te calmer. Et donc voilà, comme d'habitude, il y aura du très gros acting de qualité hollywoodienne. Et là, par exemple, ce que tu viens de faire, qu'est-ce que c'était? Donc c'était un geste d'interpellation, en fait, quand quelqu'un est en dehors de son champ visuel au Japon. Donc par exemple, quand une personne va perdre son portefeuille et qu'une autre personne va s'apercevoir qu'elle a perdu son portefeuille, elle va interpeller la personne en lui tapotant gentiment l'épaule, voilà, pour interpeller son attention tout en étant un peu respectueux, en n'étant pas trop intrusif. Donc même entre amis, on peut utiliser ce geste, hein, toujours pareil, si la personne est en train de regarder autre part, tu lui fais un petit nénès, un nechan, ce que tu veux. Quittez-le, par exemple, si voilà, il ne faisait pas attention véritablement, tu veux récupérer son attention et tu vas, voilà, tu vas tapoter l'épaule. Ah, sumasen. Ego dekimasu ka? Alors qu'en France, ce geste signifierait davantage que ça empeste, que ça sent mauvais, ce genre de choses, et bien au Japon, la signification du geste est totalement différente. Exactement. Donc c'est bien pour insister sur une négation, en fait, pour dire que ce que l'on pense est différent de ce que pourrait penser l'interlocuteur. Il y a chigao. Et donc par exemple, si je te posais la question, mais en fait, Kimetsu no Yaiba, c'est bien ton manga préféré. Il y a chigao, yo. Donc là, tu insisterais sur le fait que, en fait, c'est différent de ce que je pense, de ce que j'ai proposé comme opinion. Alors ce geste-ci est différent du geste précédent qu'on a vu qui signifie la négation. Donc ça, ça marque une forme de modestie en fait, parce qu'on sait que par définition, le japonais est quelqu'un d'humble, de modeste. Voilà, enfin, en tout cas il veut le faire paraître, et donc ce geste fait partie de l'arsenal justement, pour montrer un petit peu... Non, ce n'est pas vrai, même si peut-être au fond de lui, il est très content que tu le complimentes sur sa, par exemple, sur sa chemise. Bien sûr. Mais... Et souvent, tu même quelqu'un, un japonais qui parle très bien anglais, tu vas lui dire Ego, mecho, mai. Même si la personne a un anglais totalement courant, elle va te dire je suis mauvais en anglais, ça, franchement... C'est la... Toujours avec ce petit geste de la main, vraiment très caractéristique, et cette petite négation où c'est une règle de politesse, entre guillemets, on pourrait presque le considérer. Exactement, alors qu'en France, si on te fait un compliment, combien est-ce qu'on s'en fout? Aux États-Unis encore plus, si par exemple un basketteur, t'es dans un terrain de foot, enfin un terrain de basket et vous jouez, et les mecs ils vont faire « Ah, moi je suis un NBA player, enfin tu vois ce que je veux dire ?» Mais oui, c'est clair. La prochaine fois que quelqu'un vous dit Nihongo ga josu desu ne, donc ce qui signifie ton japonais est très bon. Et généralement, ils vous le sortent quand tu dis 2-3 mots de japonais. Et donc cette fois-ci, en faisant ce petit geste de la main et en montrant en gros que non, pas encore, et bien là, ils vont peut-être se dire « Ah bah tiens, finalement, il est peut-être vraiment bon, parce qu'il maîtrise un peu les codes de la culture japonaise. » Exactement. Merci Pierre. Tout est dit. Ah Pierre, nanka kohi hoshii? ああ、お願い。はい。もう鍵終わったけど、めんどくさいこの仕事。本当に。他の仕事した方がいいんじゃない？どうしてやきらめないか。お金だよ。そうですね。Oh Pierre, tiens, tu veux un café? Ah, je veux bien s'il te plaît, parce que là je sors d'une réunion, je t'en parle pas, j'en ai vraiment marre de ce job. À cause de la démission, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Oh non, t'es un gamin, vas-y. Yeah. T'as oublié d'essuyer. Oh, putain. Ah,
Alors au Japon, quand on parle d'argent, on fait ce signe-là, donc c'est une représentation directe de la pièce de monnaie, alors qu'en France, pour faire référence à l'argent, on ferait plus ce signe de la main, donc un petit froissement... Froissement des billets. Et en France aussi, quand on fait ce geste-là, du coup, c'est clairement un rappel du jeu auquel on jouait quand on était petit, on a tous joué. Un jeu de brutasse. Donc tu faisais ça, et si tu regardais, eh bien je te devais un punch en fait sur l'épaule, et il ne faut jamais oublier d'essuyer, parce que sinon la personne peut vous en devoir 10 en retour. Donc en fait, ce geste en japonais, il signifie moi, je, c'est à moi que tu parles, ce genre de choses en fait. En France, je sais pas comment est-ce qu'on aurait tendance à faire si par exemple je dis hey, toi là, et là t'as envie de dire qui, moi. Comment est-ce que tu le ferais toi de... Comment tu l'exprimerais avec tes mains? Moi je le fais comme ça. J'ai l'impression, moi, tu vois, un truc comme ça, genre je me montrerai comme ça. Avec ta main. Ouais, je pense. Au Japon, voilà, on fait ça, voilà, tu le pointes sur le nez, tout simplement. Et ça, je l'ai vu plein de fois, même dans des animés. Pardon. Va te laver les mains. Putain, et le pire, c'est qu'il... Ah, et en plus, il touche à ma poignée. Je t'avais bien lubrifié ta poignée. Alors attention, petit quiz, que signifie ce geste? Ah, yakusoku. Alors yakusoku, pour ceux qui ne savent pas, c'est dire quand tu fais une promesse. Tu fais comme ça? Oui, mais je suis d'accord, il y a ça, mais là, il y a ça aussi, une autre signification. Tu t'es lavé les mains? Oui. Ok. Ne, Pierre, kanojo, motteru no? Ah, ça veut dire ça? Tu demandes à quelqu'un, genre avec un petit air un petit peu malicieux, ça veut dire, est-ce que tu as un copain, est-ce que tu as une copine?社長、社長。はい。この新しい靴めっちゃ似合ってる。すごく好き。ありがとうございます、ピエル。社長、社長。はい。このシャツどのブランドですか?すごくかっこいい。ありがとうございます、ピエル。え、新しい髪型?なんかめっちゃおしゃれだね。ありがとうございます、ピエル。ちなみに、来週ちょっと休み取ってもいいですか? Alors ce geste, qu'est-ce qu'il signifie? Alors vous l'avez peut-être compris avec cet exemple que vous venez de voir, mais en gros ce serait l'équivalent en France du lèche-cul. En gros, tu fais des compliments à une personne parce que tu as dans l'idée que tu vas pouvoir en tirer un avantage, pouvoir une demander... Une arrière-pensée, un bon, voilà. Un objectif. C'est ça, tu peux demander quelque chose derrière en contrepartie entre, en quelque sorte. Donc c'est quelque chose que tu fais par intérêt clairement. D'ailleurs, est-ce qu'en japonais on dirait pas Oseji? Est-ce que ce serait pas lié à ça justement? Tu veux dire quoi par là? Oseji, c'est un terme japonais qui signifie en fait de faire des compliments un peu creux, un peu vides, justement. Alors non, c'est différent parce que c'est Oseji, tu les fais pas avec un intérêt, justement. Tu les fais parce que c'est poli. Ah d'accord. De faire des compliments. Alors que là, le gomatsukuru, comme on appelle ça en japonais, c'est tu polis en fait le sésame. Tu le brosses dans le sens du poil, comme on dit en français. Tu le brosses dans le sens du poil, tu lui jettes des petits confettis de compliments un peu partout sur le visage, et tu as dans l'objectif de vraiment en tirer quelque chose. Donc c'est un peu perfide. Donc c'est pour ça, par exemple, même quand t'as un garçon par exemple à faire des compliments à une nana et que la nana a l'impression qu'en fait le garçon ne le pense pas forcément et qu'il dit ça par intérêt, eh bien elle va faire un... Donc maintenant, si vous faites un compliment à quelqu'un et que ce japonais vous répond par ce geste-là, en gros, vous en avez peut-être un peu trop fait, donc allez-y mollo. Ce que je disais, c'est que ta performance dans Question pour un champion, c'était pas fou, mais ça... Korega Japanese Carpeton. Nanka Pierre, attends, non, mais ça. Je vais parler, je vais parler. Non, 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 t'es ignorant. Hein, ton gros front à l'aise. Là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros front. Ferme-moi voir. Écoute, Wabi, méfie-toi, hein. Méfie-toi. Tu as compris, non? Méfie-toi! Enlève ça devant moi! Mon gros front, ça ne te regarde pas! Donc, ce geste en France, je pense qu'on l'a tous déjà vu, en soirée notamment. Et c'est en fait, ça signifie quand deux personnes sont en train de se pécho, sont en train de flirter, voire de s'embrasser. Et on va, voilà, on essaie de décrire un petit peu en discrétion quand on a surpris la scène. Donc, voilà. Alors, la signification est totalement différente de celle qu'on peut avoir au Japon. Donc, au Japon, en fait, quand tu as ce geste-là, c'est qu'il y a une dispute entre deux personnes. Et en gros, ce geste, il représente en fait des katanas qui sont en train de se battre, enfin des samouraïs en train de se battre. Et donc, c'est le conflit
donc la dispute maintenant de nos jours. Bon, ce geste-là, vous l'aviez déjà un petit peu vu dans la vidéo où on expliquait en fait 10 habitudes qu'ont les Japonais. Donc c'est celui d'un peu se toucher la tête en fait quand ils ne sont pas capables de dire non, quand ils sont un peu dans une situation un peu délicate. Ils peuvent pas vraiment exprimer leur opinion de manière directe. Donc voilà, ils sont un peu en difficulté entre guillemets et c'est un geste qui est, je pense, un geste automatique. On le voit beaucoup dans les animés, hein. Vous avez beaucoup de personnages d'animés quand ils sont dans une situation un peu, voilà, dans laquelle ils ne savent pas comment s'en sortir, se sont dépêtrés dans l'ordre du verbal, hein, et vont souvent être comme ça en mode... Identifier la communication non verbale pour comprendre les messages cachés. Au Japon, vraiment, il y a tout ce côté où il faut vraiment lire l'atmosphère. Tu vois, j'allume, tu le respires, tu le sens, tu le vis. Et comme ça, tu es capable de décrypter toute la gestuelle du japonais. Et tu es capable de savoir ce qu'il pense avant même qu'il le pense. Kawaii. Ah, c'est ma sœur. Hein? Ah, tu te. Ah, c'est ma sœur. Ce geste, il est assez explicite en fait. Il signifie l'interdiction. Ouais. Damé. Donc, on n'a pas le droit de faire quelque chose. Voilà, c'est généralement les gardiens qui s'occupent de certains endroits où il n'y a pas le droit de prendre de photos, par exemple. Eh bien, ce sont ceux qui l'utilisent le plus en général, et c'est... Parce que, notamment, ils n'utilisent pas très bien l'anglais, donc... Si ça ne va pas communiquer, ce geste, en fait, ils vont souvent vous le faire. Donc, à partir du moment où vous allez le voir... Le geste barrière, à partir du moment où vous allez le voir, eh bien, sachez qu'il faut que vous arrêtiez de faire ce que vous êtes en train de faire. C'était peut-être pas quelque chose de correct dans l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit être assis au mauvais endroit, en train de prendre des photos de quelque chose dont vous n'avez pas le droit de prendre de photos, genre de situation, quoi. Mais est-ce que ça viendrait pas du panneau stop? Parce que ça fait penser à la signalisation, au code de la signalisation un petit peu. T'as eu ton permis? Cette fois-ci, un geste basique que vous allez remarquer lorsque vous venez au Japon, c'est la façon dont ont les Japonais de compter sur leurs doigts. Elle est différente de celle qu'on a en France. Tour tes doigts en fait, alors qu'au Japon, ça va être l'inverse. Tu vas fermer tes doigts, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, au kaikei desu. Koko dewa oaiso to iimasu. Ryoute no hitosashi ubi de batsu o tsukurimasu. これがお会計の合図です。お前の店にはもういられるかという意味を表しています。Donc en France, quand tu veux demander l'addition, généralement tu vas essayer d'avoir un eye contact avec le serveur ou tu vas appeler le garçon, la main, etc. En haussant la voix, exactement. Au Japon, soit tu vas hausser la voix d'un gros sumimasen. Sumimasen. Ou bien tu vas juste faire un signe au serveur qui lui fera comprendre que tu veux qu'il t'apporte l'addition. Et ce geste, c'est ça. Donc si tu fais ça, le serveur va automatiquement comprendre que tu veux l'addition. Sumimasen. Attends, c'est lui qui m'arrête et il me demande de dégager. Attends, je comprends pas. Puis en plus, sa chemise, c'est pas ouf ouf. Hein. Ouais, on m'avait dit que les Japonais étaient hospitaliers et tout. Bon, ça reste à voir là. Donc au Japon, quand tu veux demander à quelqu'un de venir par ici, de venir te voir, de se rapprocher, etc., tu vas lui faire ce petit signe caractéristique de la main. En France, je pense que ce serait plutôt dans le sens inversé, ce sera plus quelque chose comme ça. Donc si un Français voit ce mouvement là, Ça peut prêter à confusion. Ça peut porter à confusion parce que on pourrait croire qu'il veut qu'on s'en aille en fait, à l'inverse. Et donc il ne faut surtout pas confondre ce geste avec celui-ci. Ah mais qu'est-ce qu'il me veut... Ah ouais, c'est le truc de la dernière fois, en fait ça veut pas dire va-t'en mais viens ici. Et je m'en souviens plutôt bien. Nani? Omae, détekete yuteta yo. Doshite koko ni iru? Hayaku detekoi. Donc ça, c'est différent de ça. Tu vois la nuance? Il y a une petite nuance, elle est assez fine, mais donc l'un veut dire « viens par là » et l'autre veut dire « va-t'en ». L'opposé. Donc voilà, c'est le fameux... Ça peut être parfois assez violent, c'est le « déteke ». En gros, dégage, doke, barre-toi, etc. Donc c'est quand tu veux... Le contexte agressif un petit peu plus. Ouais, t'as envie de demander à la personne en gros de s'en aller, voilà. Tout simplement. Tu l'utilises pas généralement avec des amis, avec des collègues de travail non plus. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Encore une fois, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez quand même appris quelques petites choses qui pourront vous être utiles si jamais vous venez au Japon. Ce sont des petits gestes de communication. Je pense que vous pouvez réutiliser ici même. Hein. C'est des gestes que, par exemple, il y en a certains que j'utilise dans la vie de tous les jours. Donc, peut-être même entre temps, vous pourrez en trouver quelques-uns dans les dramas ou dans les mangas. Voilà. En fait, à partir du moment où tu commences à remarquer ces choses, elles deviennent visible tout le temps, tu vois. Au début, tu fais pas attention, mais une fois que tu les as en tête, c'est bon. Elles sont tout le temps là. Encore une fois, merci d'être là, toujours fidèle au poste, d'avoir explosé vraiment la barre des pouces la dernière fois, ça fait extrêmement plaisir. C'est vrai que, particulièrement, j'étais un peu en dépression suite à ma défaite, ma large défaite, et ça m'a fait très très plaisir, ça m'a fait chaud au cœur d'avoir tous ces pouces bleus en masse.
Donc n'hésitez pas à continuer à nous soutenir. Et il y aura peut-être une forte progression, une fulgurance lors du second round. On verra. En tout cas, sur ce, moi je vous dis tchou bye bye et à la semaine prochaine. お前出てけって言ってたよ。何してんの？